je te montre un peu ce que j'ai fait. La montagne du jeu. Voilà, tout est là. Donc là, tu vois les numéros? Ouais. Est-ce que tu les vois? Ouais. Dis-moi juste si vous voulez le premier. Le premier. Il a. Ah, je vais marquer le premier par contre. Je sais que c'est Mario 3D All Star. Le premier. Ça. Mario 3D All Star, c'est le premier que j'ai pas mis de numéro dans ma main. Tu l'as vu? C'est bordélique. Pourtant, j'ai bien fait de. Attends, ça. De toute façon, j'ai mis dans l'ordre. J'ai mis dans l'ordre du téléphone. Je peux pas paniquer. Hein. En fait, j'ai super mis de. C'est bon. Voilà, tu vois, c'est le premier, c'est le Super Mario 3D All Star. J'ai fait en fonction de ce que tu m'as envoyé. Ok. Donc on va présenter celui-là. On va présenter le 3D. Je vais dans l'ordre. Vas-y, vas-y. Mario Tennis. Mario ici, ouais. On a le temps. Après, c'est Super Mario. Tiens, t'en es où? Super Mario Odyssey. Yes. On va y arriver. Casse pas ton truc. Construction plus. Ah,
ça. Nickel. À la fin, tu vas dire deux du 4. Je crois que tu l'as pas su encore. C'est pas une question. Ok. Du coup, on met comme ça. Allez, comment une grande montagne de jeu. Ok, nickel. Bon, t'es prête? Ou pas? Bon, si on voit plus, je suis caché derrière mes trucs de jeu, hein. C'est parti. 3, 2, 1, go. Est-ce que j'entends la musique aussi? Ah, attendez, je parie qu'il y a la musique. Il y a toujours un... Hop. Attends, est-ce que ça marche? Bonjour à tous les amis. Hop. Bonjour à toi Meryl. Bonjour. Comment ça va? Ça va. On entend pas très bien. Comment ça va? On entend très peu. Hop. Voilà. On essaie de s'approcher un peu du micro. Recommence. Bonjour à tous les amis. Est-ce que ça va Meryl? Oui, ça va. Bonjour à tous les amis. Bonjour à tous les amis. Bienvenue de vous présenter pour ce live un peu spécial du duo joyeux épisode 4. Il faut que... Hop, au programme les amis, beaucoup de jeux à vous présenter, des jeux Switch, comme vous avez vu à l'écran, il y en a comme ça, une vingtaine, une facette de jeux au moins, que Meryl va vous présenter, comment expliquer le jeu, donc comment expliquer bien correctement comment on joue, donc du coup, si t'as le petit synopsis, le petit résumé du jeu, c'est cool, comme ça, bon, il y a plus de jeux Mario, il y a des jeux Mario, il y a du Pokémon, il y a pas mal de choses, et je vous mettrai le prix à chaque fois sur, sur le chat, et ainsi que le lien où on achète les jeux. Forcément, c'est des jeux tous sur Amazon, donc si vous trouvez moins cher ailleurs, prenez. Mais en tout cas, c'est pas très cher, voilà. On commence. Le Nounours commence pas. Nounours, c'est parti, on commence. Ouais. Je vais mettre juste comme ça, hop, donc voilà. Nickel Chrome, t'es prête pour le premier jeu? Vas-y, c'est le jeu, alors, c'est celui-là. C'est Super Mario 3D. Donc c'est le 1, c'est celui-là? Ça, c'est le 5. Le 5? T'es sûr? Attendez. Attends, je l'ai vu. Ah. Descends. Ouais. Là, Super Mario 3D. Nickel. Voilà, Super Mario 3D, alors, des amis. Donc, vas-y, explique un peu comment... le jeu. Donc, je vais vous mettre le prix moi-même sur le chat. Donc, Super Mario Galaxy, qui est une trilogie. Hein. Il y a Super Mario Galaxy, Sunshine et 64. Du coup, voilà, donc ceux qui connaissent un peu les jeux rétro de Super Mario 64, donc profitez-en. Ainsi que Galaxy qui est sur la Wii aussi, et le Sunshine aussi. Bah, donc, profitez-en, vas-y. Alors, le jeu Super Mario 3D, bon, moi j'ai pas y joué, donc c'est mon copain qui s'est y joué. Yes. Et il a fini ce jeu, en plus. Nounours. Et ça joue à deux joueurs. Nickel Chrome. Et vous pouvez les trouver sur Amazon, hein.
Yes. Alors Google, Amazon, hop. Vous pouvez le Donc. retrouver à 52 euros dans d'autres magasins, je C'est ça. pense. Voilà. Parce que sur Amazon, il est un peu trop cher. Alors je vais vous montrer quand même le prix. Ça, comment je marque Amazon, moi? Amazon. Ça commence bien. Hop. Donc les amis, Amazon, je vais vous montrer bien Et évidemment le non, juge. Amazon. C'est ça, Amazon, c'est lequel? Hop là. Donc, vas-y, marque mes vues si tu veux que je. On va y arriver. Donc le jeu, bien évidemment, Super Mario All-Star, hein, qui est une trilogie, je le répète. Pardon. Hop, vas-y. Donc, je vous mets le lien sur la chaîne Twitch. Ça coûte. Mary vous a donné le prix, bien évidemment. Tape en dessous. Voilà. Nickel, c'est celui-là. Voilà, il est à 109 et 119 euros. Attendez, 100. Merde. Attends. Faut que je vous montre. Hop, nickel. Voilà. Ouais, bah il est à 109. Je m'éclate. 109, 119 euros sur Amazon. Peut-être Voilà. qu'on arriverait à le trouver peut-être ailleurs moins cher. Exactement. Donc je dis à ma meilleure amie, Meryl, que c'est un peu, que c'est, je trouve pas ça normal que ça a le prix là en fait. 109 euros, c'est trop cher. C'est pas le prix d'un jeu Switch en fait. Voilà, Donc moi mon voilà. copain il l'a acheté avec une Switch pour ma petite sœur. Donc le prix de ce jeu, je ne sais pas. Donc j'ai mis 52 euros comme ça. Voilà donc Donc voilà. nickel. Je vous mets le lien sur la chaîne. Hop. Nickel, vous l'avez. Ensuite, deuxième jeu, les amis. Hop. Alors, je police. Jeu de police. Alors, je vais enlever les amis. C'est quel? C'est le 2. Celui-là? Non, Qu'il faut enlever? au-dessus. C'est celui qu'il faut enlever d'abord? Oui, celui-là, il faut Ok, l'enlever. et le celui-là au-dessus, d'accord? Oui. Voilà, celui-là. Voilà. Le jeu numéro 2, les amis. Alors ça, c'est le jeu de police, j'ai eu du mal à le comprendre. J'ai du mal à... J'ai mis 2 semaines à le comprendre. Peut-être un an. Ça joue à un joueur. Alors, alors c'est un jeu plus d'enquête, un jeu de déduction, un jeu d'aventure. D'enquête, tu... Je vous mets le lien. Tu... Oh là là. T'inquiète, j'ai trouvé le. Attends. Marque le police. On met le lien sur la chaîne, mais dans les. Vous verrez le prix aussi. Vas-y. C'est enlevé tout le texte. Ok. Donc, les amis, hein, jeu assez compliqué parce que, bon, vu, présenté comme ça a l'air compliqué, mais peut-être qu'en jeu, pour vous, pour certains d'entre vous, et eh ben, vous risqueriez de comprendre assez vite le principe. Tu vois d'ici? Oui. Du coup, voilà. Plolis. Toi aussi, tu fais des fautes, hein. Donc, répète un peu le prix du jeu. Après avoir. Quand tu auras écrit après. Quand tu auras fait d'écrire. Alors, le deuxième jeu. Police. Oui. Je le cherche dans mon bordel. Vas-y. Police, c'est où? Il est à 14,99€ sur Amazon. Ok. Après, il y a plusieurs prix aussi. Hein. Il y a... Tu l'as trouvé, je? Hein? Pourquoi ça me met ça? Je sais pas. Et Vas-y. je suis... Pourquoi tu meurs pas? Vas-y. Écris. Remarque, Ah! remarque, remarque. Remarque. Voilà. Ça arrive, vous aimez bien. Hein. Donc. Et en fait, en gros, tu peux choisir tes personnages de police, les mettre en congé. C'est un jeu de gestion, Voilà. un jeu de simulation comme tous les jeux qu'on va vous présenter pendant ces 2 heures. Peut-être qu'on aura fini avant, mais bon, vu la vitesse qu'on va, je pense qu'on aura fini ici 3 heures. Voilà. T'as trouvé? Nickel, le v'là. Voilà, C'est on en celui-là. est deux. Pour la PS4, je crois. La Et pour la Switch. Switch. Hop. Il est à 21, mais moi je l'ai retrouvé à 19. Le v'là. Donc le prix.
Voilà, donc je vous mets le lien. Donc à vous de voir si vous voulez l'acheter ou pas. Si vous le copiez là, c'est là. Ouais. Si, si. Oui, copier. Ok, copier. Je vais aller sur ma chaîne Twitch à chaque fois. Hop. Mais moi je l'ai trouvé à 19 euros. Donc voilà, c'est dans les alentours. Après, vous pouvez les trouver moins cher, les amis. Il n'y a pas que Amazon, il y a aussi Micromania. Vous risquerez de payer plus cher, Micromania. Ou bien évidemment, les... Bon, et aussi à Intermarché, aussi pas mal de jeux. Bah, Intermarché, c'est encore plus cher. À Intermarché, c'est encore plus cher, oui. Voilà. Mais celui-là, je l'ai trouvé ce matin sur Amazon. J'ai refait la recherche. Il était à 14 euros. 14 euros ouais. Sur le là ? Oui, sur le site. Sur Amazon, voilà. Parce que comme je vous dis, il y a plusieurs boîtes comme ça. Oui. Où il y a différents prix aussi. Voilà, il y a différents prix, donc... Donc après, si vous, bien évidemment, vous jouez au PS4 ou Xbox One ou un truc comme ça, vous aurez peut-être un prix différent que sur la Switch. Du coup, à voir. Donc dites-moi en commentaire sur si jamais quand la vidéo sortira sur YouTube, mettez un commentaire pour voir quel jeu vous jouez sur quelle plateforme, soit sur PS4, Switch, Xbox, PS5. Enfin, c'est la PS5 qui est sortie maintenant. C'est bon ? C'est bon. Jeu numéro 3. Alors, Super Mario Kart 8. Je pense que tout le monde... Celui-là ? Non. Celui-là, tu peux l'enlever. Voilà. Et... Celui-là ? C'est numéro 3, c'est ça ? Oui. Super Mario Kart 8 au-dessus. Là ? Voilà, oui. Voilà. Ok. Donc, Super Mario Kart 8 Deluxe, les amis. Donc, grande saga, hein, grand... Il y a plusieurs épisodes dessus, hein, mais évidemment, il y a sur la Wii, la 3DS, non, la DS plutôt. Les premiers Mario Kart, c'est sur la DS, après il y avait plein d'autres jeux. C'est long, c'est une longue série, donc profitez-en. Il y a eu plusieurs Mario Kart, voilà. Je pense. Mario Kart Super Dash, il y a eu Mario... Bon, je n'y connais pas un peu tous les Mario Kart, mais il y en a un paquet. Je sais que j'ai connu un Mario, je ne sais plus c'est lequel, mais c'était pas Mario Kart 8. C'est ah ouais. À partir de la Switch que j'ai vu Mario Kart 8. Voilà. Donc Mario Kart 8, il est... On va vous le mettre sur le lien sur la chaîne, on va vous montrer aussi le jeu, le prix. Il est 44,99. Donc 44,99, le prix de la Mario Kart 8 Deluxe sur, ma... sur la Switch. Oui, sur ma... Donc c'est... La mission a à peine commencé, c'est déjà le deuxième Mario, les amis, les 8. Il y en a plein. Il y a beaucoup de Mario. Le Vla directement, nickel chrome. Voilà. Alors je vais vous montrer bien évidemment le jeu. Alors, on voit bien la jaquette. Hop. C'est les jeux de course. Un jeu de course, voilà, donc avec des pièges. Si vous êtes un grand amateur de jeux de voiture, Mario Kart 8 Deluxe, c'est la base. En fait, c'est avec la base de la Switch. Terrains de. Donc en plus, si vous, en plus, il y a des contenus additionnels presque, des différentes vagues de contenus additionnels dans le jeu. Donc vous payez, je crois, un abonnement pour avoir tous les packs. Il y a encore des, je pense qu'il y a encore aujourd'hui encore des circuits qui sont mis à jour régulièrement. Donc j'ai vu la pub à la télé, donc c'est bien. Pour un jeu qui n'a pas beaucoup de mises à jour, et ben, ils ont fait fort, ils ont fait beaucoup de mises à jour avec de beaucoup de nouveaux circuits. Donc c'est plaisant. Voilà. Il y a une route arc-en-ciel que avant il n'y avait pas de barrière et on tombait tout le temps. Que là il y a les barrières quand si vous quelqu'un vous fonce dedans, bah, vous risquez pas de tomber. C'est ça, copier. Oui. Ok, vas-y, continue, je t'ai coupé. Si vous risquez pas de tomber, et c'est ça qui est bien aussi. C'est ça. Les circuits, c'est pas les mêmes. Et non, ça change. Vous pouvez choisir votre circuit. Ça change. Un circuit, il y en a 4. Donc, il y a différentes coupes. Coupe fleur, la coupe étoile, la coupe champignon, voilà. Et vous avez différentes difficultés. Donc si vous faites toujours 100%, il y a 50 cc, 100 cc je crois, et 150, 120 cc, je sais pas. Il y a 3 différents types de centimètres de course, 2 types de difficultés. Et vous avez le mode miroir aussi, donc assez mieux aussi si vous voulez rajouter du piquant un peu dans le jeu. Donc profitez-en, Mario Kart 8 Deluxe est disponible sur Switch. Voilà. Quel chrome. Allez. Prochain jeu. Après, j'ai numéroté 4, 5, 6, ça, je me suis pas fiché après. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est celui-là. Ouais, ça, c'est bon.
Hop, la suite. Et c'est Mario Tennis. Celui-là? Non, ça c'est vidéo capture. Alors, attendez. C'est numéro combien? 5? C'est ça? 4. Le 20. Désolé les amis. Hop! Mario Tennis Aces. Donc un jeu de sport. Mais évidemment, il y en avait plein aussi sur les jeux Mario. Mario Football, Mario Tennis, Mario. Bah celui-là aussi. Mario Golf aussi, qui est pas mal de. Mario Kart aussi, qui est aussi un peu. Même si, parce que c'est du sport automobile. Mario Football, il y a plein de jeux. Donc explique un peu, parce que Mario Aces est sorti il y a pas longtemps. Bon, il est Oui. sorti, ça, il y a 2-3 ans, mais c'est Oui, un jeu qui est assez récent. ça joue à 4 joueurs. Du coup, voilà. Voilà. Oui, on peut faire du tennis, on peut faire Moi, j'ai pas vraiment joué à Mario du Tennis. ping-pong. Voilà. Vous pouvez changer votre personnage. C'est celui-là? Oui. C'est celui-là, les amis. Je vais vous mettre le lien sur la chaîne. Hop. Et Donc, tennis. Mario Tennis, qui est. Coûte combien sur Amazon? Attends, je cherche. Vas-y, prends ton Il temps. est à 65,39. Punaise, c'est cher les amis. Donc si vous le trouvez Voilà. hein, d'ailleurs, profitez-en quoi. Peut-être sur Sachez, il y Steam. a plusieurs prix sur Voilà, Amazon, c'est ça. plusieurs maquettes de Mario Acer Oui. avec différents prix. Et il Exactement. joue à 4 joueurs. Le réseau a l'air de tenir. Le réseau a l'air de tenir, ça va. Un mérite. Du coup, est-ce que quand je fais ça, est-ce que ça fait. Bah, nickel. Pour l'instant, on se débrouille bien. Nickel. Alors, les amis, je vais juste me mettre comme ça. Hop, voilà. Donc, Mario Tennis, si vous êtes fan de sport, bien évidemment, profitez-en. Et oui. Du coup, voilà. Ensuite. Ensuite, Je m'approche un peu. c'est Super Mario Odyssey, machin. Ok, attends. Hop. Combien? Le 5. Le 5. Hop. Après, je suis Voilà. pas fiché, tu vois. J'ai mis des numéros. Après, tout ça. Ok, numéro. Super Mario Odyssey qui est sorti aussi sur la Switch. Donc, c'est sous de ce Switch qu'on va vous présenter. Et beaucoup de jeux Mario à l'occasion, bien évidemment, oui, parce que Meryl a mis les jeux Mario. On va se Voilà. cacher. Donc, Mario Odyssey qui est différent des Mario habituels, parce que vous récupérez pas des lunes, vous récupérez pas des étoiles, mais vous récupérez des lunes dans le jeu. Il faut juste que je mette. Hop. Donc, vous avez différents biomes de jeu, hein, mais différents niveaux. Et vous avez aussi des costumes. Hop. Bon? Oui. Mario. Super Le blanc. Mario. Hop. Donc vous avez des costumes, regardez, vous pouvez aussi bouger le chapeau, donc je sais pas comment il s'appelle le chapeau, je ne sais plus du nom du chapeau, mais vous pouvez l'interagir, vous pouvez jouer à deux joueurs aussi. Donc un qui comment dirais-je? Un qui contrôle Mario et un autre qui contrôle le chapeau. Le chapeau, voilà. Donc du coup voilà. Bon jeu, hein. Peggy 7 bien évidemment, et oui. Voilà, donc c'est pas mal de. Il y a pas mal de choses à faire. Voilà. Donc vous mettez le lien. J'ai déjà mis le lien sur la chaîne. J'ai pas mis le lien sur la chaîne, je crois. Je me souviens plus. Hop. Alors, le prix. T'as déjà dit le prix? Le prix, je cherche. Et oui, les amis, Mario Odyssey, Il est bien. à 44,99. Voilà. 44,99, les amis. Alors, attendez. Je vais Et juste faire un il joue à truc. deux joueurs. Attends, juste faire un truc, Meryl. Comme ça. Faut que je m'organise, hein, franchement. Ah ouais. Hop. Du coup, maintenant, c'est. Voilà. Du coup, je vais mettre. Attendez, hop. Ça ici. Bon, en fait, c'était pareil, carrément. Donc, c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà. Donc, le prix, hein, 44, c'est ça? 44,99 euros. Ok. Nickel. Bon, je vais lui parler à force parce que sinon je vais lui perdre. Prends ton temps, on a le temps. Donc le prochain jeu va être bien évidemment, ça va changer, parce que ça sera un jeu de sport. Voilà. C'est un jeu de sport.
Donc tu restes sur place, pas besoin de beaucoup de place. Voilà, donc il faut un setup en particulier assez important, quoi. Juste que tu viens sur la chaîne. Pardon, j'ai routé. Hop. Je me permets de mettre le rendu. Oui. Parce que quand même, j'ai pas de vie. Il y a deux spectateurs déjà. Tu regardes. Ok, hop. Un, deux, un, deux. Attends, des amis, on fait un truc. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Il n'y a pas de son. De police. Il n'y a pas de son sur la... Il y a pas de son dans le live. Bizarre, ça. Bah, t'as enlevé le son. Sérieux? Là-haut, t'as enlevé le son. Oh! Non, regarde, on entend, on nous entend. Attends. Nounours. Attends. 1, 2, 1, 2. Ah, c'est bon, on entend. 1, 2, 1, 2. Nickel, il n'y a pas de soucis. Il fallait redémarrer l'application. Ouais. Nickel, mes amis. Donc, voilà. Donc, Super Mario Odyssey. Voilà. Le prochain. C'est... le 6. Donc, le numéro 6. Ok. Hop. Donc. C'est Riffing. Riffing Adventure, c'est ça? Oui. Donc, voilà. Donc, le jeu que je vous parlais, les amis... donc assez bah assez compliqué en quelque sorte parce qu'on n'a pas le setup pour jouer à ça. Pareil moi, pour il est à la maison. Il est à la maison donc t'as de la place toi. Moi je pousse même pas mon canapé, je fais comme ça, hein, je reste sur place. Donc voilà. Même ici regarde ici on pourrait le faire. Oui après il faudra un écran. Faudrait bien capturer quoi en fait. Voilà c'est juste des pas. Parcours comme on fait sur les jeux de portable. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, Riffing, voilà. C'est, on récupère des pièces et puis on doit combattre des monstres. Oui. Mais tu peux pas mourir dans le jeu, c'est ça. Non. Ok. Donc, ça. Donc, pour ceux qui sont fans un peu de jeux, perdre des calories, tout ça, sport, voilà. Faites. Parce que ça vaut le coup, les amis. Ça vaut le coucou. Tu n'as pas le téléphone, s'il te plaît. Merci. Attends. Voilà, on peut jouer à un joueur. Voilà, un joueur, bah oui, après. Un joueur, c'est pas marqué derrière la boîte. Voilà. Donc, je vais mettre le lien sur la chaîne, les amis. Tac, donc voilà, donc. Attends, je suis dans le mauvais truc. Vas-y, marque, toi. La force arrivera parce que ça descend au fur et à mesure. Voilà, donc Riffing Adventure, les amis, qui est sorti il y a pas mal de temps, je crois. Je sais pas, il est sorti quelle année. Donc on marque en dessous ici. Celui-là? Non, là. Celui-là? Oui. Donc Riffing. Ouais, c'est ça. Voilà. Je crois que c'est un pack. Hein. Oui, il y a le jeu. Donc voilà, donc je vous montre les amis, c'est intéressant de voir ça. Hop. Donc vous avez bien évidemment le jeu avec le pack, avec les accessoires aussi. Oui. Donc voilà. Donc moi j'ai dû acheter ça avec le jeu qui va avec. Je pense qu'il y a le jeu qui va avec. Je pense que oui. Oui. Voilà. Donc. C'est un pack. Des fois j'ai envie, j'ai. T'as soif, Mégane? Tiens, tu veux boire? Ok. Donc voilà. Donc je vous mets le lien, bien évidemment. Bon, par contre il est pratique. Très pratique. En ce moment, je joue plus beaucoup aux jeux vidéo parce que avec le boulot, ça prend trop de temps et j'ai pas envie. Et tu m'étonnes. Autant que quand je rentre le soir, je suis fatiguée. Bah oui. Du coup, en fait, quand t'es fatiguée, ça sert à rien de jouer à ça parce que ça te fait encore plus de plus fatigue en fait. Voilà. Comme ça, je vous ai mis le lien sur la chaîne, les amis. Nickel Chrome. Donc c'était le numéro 5, c'est ça? Ouais.
Nickel. Donc voilà, les amis, si vous voulez jouer à ça, n'hésitez pas à l'acheter tranquillement, la Switch, les accessoires, une console, tout ça, tout ce qu'il faut. Il faut de la place, donc faites vos dimanches après-midi ou dimanche soir, ou pour les vacances, pour les week-ends, avec vos enfants. C'est cool. Voilà. Hop, numéro. Ensuite, c'est Luigi Mansion 3. Oui. Donc voilà. Donc voilà, nickel. Donc, On peut jouer à 8 joueurs. Oui. Le but, c'est d'attraper les fantômes. Avec un aspirateur. Voilà, avec un aspirateur. Voilà. Je pense que c'est plus t'avances, plus. Je sais plus, on a joué avec mon copain, mais. Après, on a arrêté. Ça t'a embêté un peu ? Non. T'as fini le jeu ? Non, on n'a pas fini de jouer encore. D'accord, il est long. Hein. Il est long, mais après quand j'ai travaillé, bah, après j'ai arrêté, j'avais plus envie. Ça m'a lancé. Et oui. Le plat. On trouve tout sur Amazon. Hein. Voilà, donc je vous montre bien évidemment le jeu. Donc Luigi Mansion 3. Voilà. Donc la jaquette, hein, évidemment, avec toutes les caractéristiques du jeu, combien ça t'a coûté ? 44,99. Donc 44,99. Sur Amazon. On t'entend très bien, c'est cool. Voilà, donc sur Amazon, hein, vous pouvez, comme d'habitude, vous pouvez l'avoir sur différentes plateformes. Amazon, c'est Discount, Micromania, tout ça. Donc voilà. Donc les jeux Switch, parce que bien évidemment, vous l'avez sans doute remarqué, que pendant ces prochaines émissions du Duo Joyeux, eh bien, on jouera au jeu Switch. Voilà, donc c'est Mary qui choisira les jeux à jouer. Et je pense qu'on fera quoi ? Un jeu pour pareil pour 2 heures, c'est ça ? 2 heures d'émission ? Oui. Un jeu, ça suffit ? Ouais. Un jeu, oui. Voilà, donc un jeu, comme ça, c'est cool. Je vous mets le lien, les amis. Hop. Tac. J'ai jamais mis autant de liens dans ma chaîne, quoi. Voilà, donc Luigi Mansion 3 à jouer en famille. Tout simplement. Ouais. Nickel Chrome. Ouais, on peut jouer à 8. Ah oui, aussi, en multijoueur. Ensuite, ouais. Le jeu numéro, c'est celui-là. Pokémon, je crois, c'est ça ? Oui, Pokémon Donjon, équipe de secours, c'est tu vas secourir des autres Pokémon. Donc voilà. Donc, j'ai joué un peu, il y a des combats aussi, combats les méchants. Il y a des dresseurs Pokémon aussi, des différents badges à récolter aussi. Oui. Donc tous ceux qui connaissent la franchise, hein, parce qu'il y a des Pokémon, il y en a pas mal du tout. Il y en a un qui est sorti cette année. Donc il y en a un qui sort tous les ans, je crois, des Pokémon. Hein, donc on est pas mal servi en Pokémon. Donc voilà, moi qui a jamais joué au Pokémon de ma vie. J'en ai joué un sur Game Boy, c'était le tout premier, je crois. Mais ça en plus, quoi. J'ai jamais touché un Pokémon de ma vie, quoi. À part sur Game Boy, mais ouais. Voilà quoi. Du coup, il est à 59,89€. Ok. Sur Amazon. Donc, c'est quoi le jeu Pokémon, comment ? Pokémon Donjon. Bon, je marque Donjon comme ça. Hein. Il y a des cartes. Attends. J'ai mal écrit, quoi. Je suis un handicapé. J'ai mal écrit. Après, c'est un nom à rallonge, quoi, ça. Donc, on va vous montrer directement le jeu en version achetable, qu'on va dire. Voilà. Comme je disais, il y en a plusieurs avec différents prix. Attends, j'ai pas. Vas-y, passe. Vas-y, explique, continue. À 59,80€. 9€. Donc il y a plusieurs prix. Hein. Et l'autre il est à 58,75€. Donc voilà, donc sur celui-là, admettons. Donc voilà, donc la jaquette elle est très belle, hein, mais évidemment. Il y a toujours 2 épisodes, hein, admettons. Il y a Pokémon version là, Pokémon version C1. Ouais. Il y a toujours 2 versions différentes. Je sais pas si c'est le cas sur celui-là ou pas. Si ? Il y a 2 versions sur celui-là aussi. Je pense. Ok, donc je vais mettre le lien tranquillement. Une fois que j'y joue, ça fait longtemps que j'ai pu jouer. Voilà. Ok, on avance.
Alors, ensuite c'est le numéro. Ok. Celui-là. Alors ça, c'est ma vie à la ferme, donc oui, j'aime les fermes. Et oui, comme vous l'avez tous remarqué sur My Free Farm 2, qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, je joue aussi sur un autre jeu de ferme, sur mon portable. Oui. C'est... Alors, tu peux le monter en... Tu peux le monter en grand plan aussi, si tu veux. Tu peux le monter en grand plan. De quoi? Bah, le jeu, c'est... Merde. Tu peux le monter en grand plan? Non, on va pas le faire, on va pas le faire. Après, on va rien voir. Du coup, voilà, ma vie à la ferme. Adai aussi, ouais. Voilà. Qui est gratuit sur le Google Play Store. Ouais. C'est ça ? Sur téléphone. Il est gratuit, donc profitez-en. Mais attention aux microtransactions parce que vous pouvez payer. Attention à vous quand même. Voilà. Donc, ma vie à la ferme. Voilà. Ça. Ça descend. On peut jouer à deux joueurs. Hop. Oh putain, j'écris mal. J'écris quoi là ? Ma vie à la ferme. Switch, peut-être. Oui. Le v'là. Il est à 25,40€. Voilà, donc il est à 25€ et quelques. Donc, hop. Directement le jeu. Custom nounours. Viens, ici. Avec moi. Tu pleures pas. Donc la mascotte est en train de pleurer. Voilà. Donc 25€, voilà. Donc pas mal de jeux, si vous aimez les jeux de gestion, profitez-en. Voilà. Donc comme sur la ferme, le Free Farm Duck, vous avez pu constater, comme vous avez pu voir sur le live, il n'y a pas si longtemps. Sauf que là, il n'y a pas de diamant. Non. Hein, vous faites votre vie. Voilà. Donc c'est un jeu, il n'y a pas de temps. C'est pas comme sur Android, il n'y a pas de temps. Vous pouvez jouer comme vous voulez, pas besoin d'attendre. C'est ça. Voilà. Nickel con. Je vous ai mis là sur la chaîne. Je pense que oui. Même si je le mets en deux fois, c'est pas grave. Ah ouais. Mmh. Hop. Moi, j'ai fait la moitié du travail. Pourquoi ? Ben, les jeux que je présente, j'ai même pas mis sur la feuille. C'est pas grave. Voilà, donc tout ce qui est sur le jeu, ma vie à la ferme. Quand même, il y a pas mal de jeux Mario qu'on va faire. Hein. Donc je répète que mon câble HDMI, je l'aurai à mon anniversaire, donc bientôt. Du coup, ben, on pourra enfin jouer. Alors, c'est un câble spécial, un HDMI vidéo capture qui permet de transmettre l'image de la Switch au PC. Du coup, voilà, donc vous verrez ça en avant-première sur la chaîne. Que ce soit des jeux récents, anciens, tout ça, donc c'est cool. Voilà. Allez. Crash. Crash Bandicoot. Donc, sans trilogie, c'est ça ? Ouais. Donc, c'est le... C'est un jeu où on doit récupérer aussi des pièces. Voilà. Des trucs. Des pêches. Bon, enfin, oui, ça, des pêches, je sais pas s'ils appellent ça des pommes. Ils appellent pas ça des pommes, ils appellent ça autre chose. Tu sais. Donc voilà, donc des fruits Goomba. Goomba. Donc voilà. Je sais pas si j'ai bien prononcé le mot. Trois jeux complets, plus de 100 niveaux et 2 personnes jouables. Oui. Donc c'est une trilogie. Voilà. J'avais joué sur la Switch aussi. Sur la Switch, ce jeu-là. Mais le jeu, je pense que j'ai encore sur la Switch, il l'a. Je crois que j'ai pas enlevé encore. Donc voilà. Du coup, je vais vous montrer, bien évidemment, le jeu. Et là, il joue à un joueur. Voilà. Bandicoot sans trilogie. J'écris mal, mais il a compris, quoi. Ah ouais. Oui, voilà. Le v'là. Donc, pour un prix de... De... Donc je vous montre la jaquette bien correctement. Je casse. Ah, tu mets tout par terre, toi. Il est sur le lit ou pire les boîtes. Il est sur le lit, les boîtes. Ouais. Vas-y, pour un prix de combien? Pour un prix de... Attention, le juste prix. Si je le retrouve dans mon bordel... je l'ai doté pourtant, oui. Pour un prix de 29,99€. Donc par ici. Oui. Voilà. 29,99€, donc ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup pour une trilogie en fait. Donc voilà, donc si vous aimez Crash Bandicoot 1, 2, 3, et il est sorti le 4, qui est sur PS4. Et je crois pas que sur la Switch il y a encore le Crash Bandicoot 4, je sais pas du tout. Sur
PS4 ouais. ou Xbox, les touches, c'est pas forcément les mêmes. Non, 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 bien sûr. Voilà. Bah, là, sur, par exemple, Xbox One, ouais. c'est inversé de la Switch. Oui. Le A, le B, le Y, le X, c'est inversé de... C'est ça. Alors, qu'importe les jeux où vous jouez sur les différentes consoles, les touches ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc... ce qu'est-ce que Meryl, c'est que c'est différent par rapport voilà, à la console. Voilà, si vous commencez à jouer sur une Switch, continuez sur la Switch. Parce que si vous recommencez sur, par exemple, Xbox One ou sur la PS4, ouais. vous serez perdu dans les touches. C'est ça. Exactement. Elle a tout à fait raison, d'ailleurs. Oui, parce que je fais toujours l'expérience, j'achète un jeu sur Switch, j'achète un jeu sur PS4, plus le jeu sur, sur One, plus sur PC. Le même jeu! Qu'est-ce que tu fais avec tous ces jeux, sérieux? Qu'est-ce que tu fais avec tous ces jeux? Tu les collectionnes ou pas? Mais j'achète le même jeu! Donc voilà, donc Crash Bandicoot, ta trilogie, hein, bien évidemment. Hop, vous l'avez en 3 fois, en 2 fois. Voilà. Donc pour plus de légalité, vaut mieux l'avoir en version jaquette. Pour plus de légalité. Oui, voilà. Après, il y en a qui jouent ça sous forme d'émulateur. Bon, l'émulation, c'est pas très illégal. J'ai acheté c'est pas très légal, je veux dire. Un jeu de dinosaures sur PS4. C'est Jurassic World, voilà. La Révolution. Oui, le 1. Le 1. Sur PS4. J'ai pu y jouer et je... C'est pas mes filles, toi. Je les ai re-achetés, le 1 et le 2, sur Xbox One. Il me lâche, il me bouffe les fils. Allez, s'il te plaît. Et vas-y, continue à parler. Et en même temps, j'aimerais les avoir sur PC. Ouais, c'est mieux sur... Parce qu'il est sur Steam, je crois. Parce que je... Le jeu, je joue plus souvent sur PC que sur la console en ce moment. Bah, t'es parce comme que... moi. Bah oui. Parce que mon copain m'a acheté comme un tour gaming. Voilà. Donc, il veut que j'y joue, donc j'y joue. C'est ça. Voilà. Ce qui est mieux. Voilà. En plus, là, le PC, il n'y a rien de tel, parce que vous avez, bien évidemment... Vous pouvez jouer à tous les jeux sans forcément changer de console. Un PC, c'est un PC. Après, vous avez différents loteurs comme iPlay, GOG, Steam. Après, vous avez Xbox sur PC. Après, vous avez quoi vous avez différents launchers. Donc, pourquoi acheter une console puisque vous avez tout sur PC, on va dire. Voilà. C'est l'inconvénient. C'est qu'après, il y a Windows 10, Windows 11. Ça change aussi les Windows C. Mais bon, moi, j'ai Windows 10, ça marche très bien. Et j'ai fait l'exemple d'avoir Windows 11. Ça a bugué avant le PC. Voilà, nous, le nom, c'est là. La petite mascotte du live. Nickel Chrome. Regardez, faites un petit boujou au chien. Oh, le petit toutou, il est très gentil. Il est très gentil. Allez, on passe à la suite. Je te pose. Donc voilà, donc c'était le jeu numéro... Oui, déjà. C'est parti. Hop. Voilà, Just Dance. Bon. Alors, c'est un jeu de danse. Ça va être pareil que Wii Fit Adventure, là. C'est... Bon, on n'a pas la place. Bah, après, tu peux rester sur place parce que t'as juste des gestes à faire. Il faut être debout, quoi. Oui, il faut être debout, mais il y a juste des gestes à faire. Mais bon, vu la... on va se... Voilà. Ouais. Plusieurs danses qu'on a déjà écoutées. Il y a des chansons aussi qu'on a écoutées. Oui. Voilà. Donc, qui est légal, hein, mais ils ont les droits d'auteur, tout ça. Ouais. C'est le combien, celui-là? C'est le 2018 ? 2018. 2018, donc il y en a deux à présenter sur Just Dance. 2018, il est à 29,99€. Alors, Just Dance. Attends, je regarde. Tu diras le prix après, juste. T'inquiète. Alors. Pouf. Juste. Je veux que juste. Juste. Dance 2018. Hop. C'est celui-là ? Ouais. C'est celui-là, donc les amis, voilà. Ouais, là il est à 29, moi je l'ai retrouvé à... Donc les prix, ils changent beaucoup, hein, ouais. Le jeu. Voilà, donc si vous êtes fan de danser, de danse... Voilà. De danser, je parle. Oui. C'est pareil. Il est à 29,99€ ou à 38€. Voilà, donc à vous de voir, vous prenez le prix que vous voulez. Tant le jeu est le même, voilà, donc je sais pas pourquoi il est plus cher que l'autre, mais bon. Peut-être qu'il y a des suppléments, peut-être qu'il y a des petites extensions, je sais pas du tout. Donc le Just Dance, hein, mais évidemment, si vous aimez danser, bah, profitez-en, parce que c'est un bon jeu. Il y en a certains tous les ans, je crois, c'est 2018. Moi, j'aime bien danser quand des fois je suis toute seule, parce que j'ai pas envie qu'on se moque. C'est ça. Bien sûr.
Moi aussi, des fois, je parle et des fois, je sais pas parler. C'est vrai, hein. J'ai des problèmes d'élocution, des fois. Moi aussi. Donc, ne vous moquez pas, merci bien. Sinon, je vous bannirai de la chaîne. Hop, allez, le lien, ça fait mal de 11 liens que je mets quoi sur la chaîne, quoi, c'est hallucinant. J'ai mis autant de liens sur la chaîne. Voilà. Faut que je mette un bot pour dire. Faut que je mette un bot automatique qui met les liens automatiquement sur la chaîne, je sais pas comment on fait. Voilà, les amis, donc voilà, c'est juste Zen. On va aussi profiter pour vous présenter celui de 2019. Voilà, 2019. Donc. Voilà, 2019. Voilà, pareil que donc, 2019. Pareil, voilà. Sauf que ça change parce qu'il y a d'autres musiques qu'il y a eu en 2019. Oui, ça change plus le temps. Voilà, il y a aussi le jeu de danse 2020, le jeu de danse 2021. C'est ça. Il y a aussi le jeu de danse de 2022. Ouais. Et je viens de voir ça, qu'il y a aussi le jeu de danse 2023 avec différentes musiques et de chansons pour danser dessus. Donc c'est un peu plus... Moi j'apprends à danser sur les danses que... Ouais. Voilà. Donc où t'es à l'aise quoi. Mais il faudra que j'y redanse dessus, c'est parce ça. Que j'aime bien. Exactement. Mais il faut que je rachète les jeux de 2020, 21, ah, oui, 22, oui. 23. Alors t'as pas fini, après t'achètes par année les jeux. Après il y en a plein. Oui, il y en a juste plein. Juste ça, ouais. Mais le 2024 sortira peut-être en 2024. C'est ça. Ou peut-être avant, comme FIFA. Ouais. Bah oui, hein. FIFA que vous verrez jamais sur la chaîne. Hein. Je vous le dis en passant juste. J'aime pas FIFA. Peut-être qu'il y a du FIFA, mais je sais pas. Il n'aura pas. Hop, voilà. Nickel. Allez, on enchaîne. Et si ça vous donne envie d'acheter les jeux, les liens à chaque fois ils sont sur le chat. Hein. Voilà. Donc c'est parti. Hop. On enchaîne avec. Sakotin World One Game, c'est ça? Ouais. Okay, donc les jeux, bien évidemment, fléchettes, des cartes, dominos. Oui, on ça. Peut jouer dada, on peut il y a plein de, jeux, ouais, plein de jeux de société dans un jeu. En 51 jeux. Voilà. Vous avez de tout. Vous pouvez jouer à plusieurs joueurs, je crois. On peut jouer au. Morpion. 51 jeux. 51 jeux ou jeu? Game ou jeu? 51 hors 10 game. Oh putain, écris-le parce que. Il est juste en dessous. Ah, il est juste là, d'accord. Ok, ah, très bien. Ok, ouais. Bah voilà. Moi je me casse la tête. Hein. Ça, je sais plus dur, mais en fait, vous l'avez directement ici. Voilà, vous avez comme d'habitude toujours plusieurs prix sur ces jeux. C'est ça. Hein, plusieurs maquettes. Hop, nickel. Bon, j'ai pas mis non plus tous les prix du monde. Hein, Non, bien sûr. Ouais, j'en ai pris qu'un et ouais. Il est. Il est. Il s'est envolé de ma feuille. Tu sais, tu aurais dû mettre des numéros. Ouais. Mmh. Il est à 29,49 euros. Bon, ça va. Pour un prix Switch. Pas comme si tu as 109 euros, le premier qu'on a présenté. Ouais. Du coup, voilà. Donc, voilà. Ok. Donc, voilà. Si vous aimez bien les jeux comme ça, bah, profitez-en. Ça coûte pas très cher. En plus, on peut jouer. À la maison. À la maison. Et vous pouvez jouer avec votre Switch. Voilà, ça veut dire que vous pouvez jouer à deux sur le même écran. Oui. Voilà. Ok. Donc ouais, c'est parti. Je mets le lien sur la chaîne. Et après, je vais ranger tout ça. Et oui. Hop. On nous voit à l'infini, regarde. À l'infini. C'est parti. Prochain jeu. Prochain jeu. C'est Minecraft Donjon. Voilà, c'est pareil que Pokémon Donjon. Voilà. Voilà, c'est un petit parcours. Des petits combats. Qu'on peut... Minecraft Donjon, hein, évidemment. Je crois que c'est vu d'en haut, non? C'est vu d'en haut, tu crois? Ou c'est vu de... Comme un Minecraft normal? Vu d'en haut, je pense. C'est vu d'en haut, donc voilà. Voilà. Donc j'ai jamais joué à Minecraft Donjon, il est gratuit sur le Game Pass. Donc... tout simplement, je l'ai sur le Game Pass, mais je l'ai pas installé. Ok, donc pour. Minecraft Donjon, il est à 29,79. Nickel. 29,79, les amis. Les amis. Hop. 30. Je commence. 30. J'ai dit toujours ça. Oui. Minecraft Donjon. Ouais.
Ok. Voilà, le voilà. Voilà, maintenant le donjon, donc nickel. Vous l'avez en version hop numérique et en version normale. Voilà, Minecraft donjon, c'est ça. Nickel. Donc, pour un prix de, répète-le, pour ceux qui nous rejoignent. Moi, je l'ai trouvé à 29,66 euros. Que là, il est à 34,99 comme d'habitude. Hein, voilà. Avec des... Pas des promotions de temps en temps sur Amazon, sur les jeux. Si. Ouais. Mais comme il y en a plusieurs, comme tu vois, il y en a plusieurs. Oui. Et t'as les prix différents. C'est ça. Désolé, je suis sur ma ferme. Elle en profite pour l'émission précédente, pour l'émission suivante. Donc voilà. Nickel Chrome. Donc on va très vite à la moitié quasiment, non? Oui. On est à la moitié. Voilà. Allez, c'est parti pour le prochain jeu. C'est. Ça y en est. C'est quoi ça? Construction Plus, c'est ça? Oui. Construction Plus, les amis. Voilà, le jeu est un peu plus petite, je sais pas quand on dit plus. Ouais, laisse tomber. J'ai peur de bouger les autres jackets. Voilà, donc Construction Plus, hein, qui est un jeu de gestion par rapport. Oui. On va de ville, voilà. Il y en a plein sur le Play Store aussi, hein, vous pouvez voir. Comme par exemple, comment ça s'appelle Metropolis, tout ça, un truc comme ça, même genre. Donc ouais. Voilà. Donc profitez-en, les amis. Voilà, donc je vais vous montrer le lien, le nom du jeu, mais évidemment, c'est Construction Plus. Mais elle joue, et elle avait raison, comme ça. Construction Plus. Hop. Ah. C'est pas grave. Tiens. Le jeu l'a volé. Non, pas grave, t'inquiète. Tiens, ma mère. Voilà. Donc, on se... Hein? What? Mais t'es plus sur Amazon. Merde. Je suis plus sur Amazon. Ah là, t'es plus sur Amazon. Il faut que t'ailles sur Amazon. Attends. Hop, voilà. Donc, je vous montrer. Attends, c'est pas Minecraft. Minecraft construction. Sérieux? Voilà. Oh. C'est une marque Switch. Ça marche, tu crois? C'est pas construction, c'est constructeur. C'est pas grave. Construction? Non, vas-y, constructeur. Ah, constructeur, pas construction. Vas-y, marque. Bon, c'est à peu près construction. Oui. Mais... Merde. Constructeur plus. Oh, finesse. On rigole bien, les amis. Hein. Ça écrit pas? Je pense que ça écrit. Ah, d'accord. Ok. D'or. Ouais. Plus. C'est ça. Voilà. Le v'là. On a réussi. Construction. Constructeur plus. Ok. Donc voilà, les amis, je vais vous montrer le lien sur la chaîne. Il est à 24,99. Ah. Presque 25 euros quasiment. Ça vaut le coup pour des jeux Switch. En arrondi, on peut dire 25 euros. Voilà, pour un centime de plus, on va pas aller loin. Hein. Nickel. On va pas aller loin. Allez, c'est parti, je vous mets le lien sur. Explique un peu le jeu. Alors, le jeu, c'est on va construire des maisons pour qu'on a des. Et... C'est comme la principe de Maïchou Ferme 2. Oui. Mais sauf que c'est sur une ville, c'est pas dans une ferme. C'est une ville et puis on aura des gens qui viendront habiter. Après, pour mieux expliquer le jeu, c'est mieux d'y jouer aussi. Bien sûr. Là, on présente... Ouais, j'ai pas mis la chaîne, la live. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer les images. Donc voilà. Donc voilà, hein, ce qui est le jeu. Donc c'est pas très bien, mais c'est une nouvelle image. C'est comme dans la vraie vie, tu vas construire et puis tu auras des personnes qui vont venir. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc on verra ça en jeu, bien évidemment, prochainement, quand j'aurai le câble. J'aurai d'ici cette semaine, je crois, la semaine prochaine. Ouais. Donc c'est-à-dire que la semaine prochaine, on pourra déjà commencer, ou la semaine d'après, commencer à jouer à jeu Switch. Ouais. C'était libre. Okay. Ouais. Donc voilà ce qui est du Constructeur Plus. Voilà.
Ah bah alors. Donc, prochain jeu, les amis. C'est Super Mario Bros. U. Hop. Voilà, Super Mario Bros. U. Donc, nickel. Donc, encore un jeu Mario. U. Le U. Les nouveaux commerçants. Oh, finesse. Comme dans Super U. C'est ça. C'est ça. Les blagues, les amis, c'est du jeu aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, il n'y aura pas de jeu. Il n'y aura pas de jeu aujourd'hui, hein. Je présenterai juste aujourd'hui. Hein. Oui. Ok. Donc, les amis, voilà, 100% des présentations de jeu. Donc, Super Mario Bros. U. U. Parce que je dis la Wii U, c'est pour ça que. Voilà, donc, un jeu, donc. Cool. Oui, il y a des parcours. Des parcours, voilà. Plusieurs parcours. C'est ça. Pour aller sauver la princesse. Et donc, je crois qu'il y a Luigi aussi dans le jeu. Peach. Donc voilà, donc je suis à plus. Vous avez Super Mario U, mais vous avez aussi Super Luigi U. Voilà. J'ai jamais joué Super Luigi. Ouais. Je sais bah, pas c'est si pareil, c'est sauf que. C'est Luigi qui joue. C'est Luigi qui joue. Voilà. Donc on a Luigi, assez. C'est le frère de Mario. Voilà, donc on est assez. Comment dire. Assez. Et on peut jouer à 4 joueurs. 4 joueurs. Donc voilà. Donc je vous montre. Donc, ouais. Je dis les combien de joueurs, mais je n'ai pas dit aux autres. Ah, bon, c'est pas grave, t'inquiète. Donc on est assez, assez, comment dirais-je, gâté au niveau des Mario. Tant que je trouve le mot, tu sais. Donc c'est le quoi, Super Mario U, c'est ça? Super Mario U. Super Mario U. Et pas Super U. Hein. Voilà, pas Super U, sinon je vous montrerai. Il est à 44,99€. Voilà, un jeu coûte plus cher, bien évidemment. Super Mario Deluxe, c'est ça? Oui. Ok. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc voilà. Donc, Super Mario Deluxe U. Un pas mal de jeu. Hein. Apparemment, les jeux de Super Mario, c'est fait pour jouer toujours en famille. Hein. Oui. C'est un genre en famille, voilà. Donc c'est un jeu relax, chill. Pas trop dur pour les enfants. Puis c'est Peggy 3. Pas trop, ça va. Donc c'est conseillé à l'âge là. Oui, sur les châteaux, c'est un peu compliqué. Ah, les châteaux, ça... ouais. C'est énigme. Voilà. Et moi, des fois, quand ça me saoule, j'éteins directement la console. Et je recommence le lendemain ou pas du tout, et je recommence 6 mois après. Ou six je mois recommence après. 2 ans après. Voilà, 2 ans après. C'est ça. Voilà. Nickel, donc je vais mettre le prix du jeu. Non, pff, le lien du jeu, excusez-moi. Excusez. Je suis fatigué. Voilà, nickel, Chrome. Je remets directement. Voilà. C'est bon. Il a un fou rire, on sait pas pourquoi. Alors surtout, hein, faut pas rigoler. Même si t'as un fou rire, faut te canaliser, tu vois. Voilà. Donc c'est oui, parti. Pour le prochain. C'est ça, prochain jeu. C'est le... Animal Crossing. Merde. Animal Crossing, bon, j'ai mis la jaquette complète. Hein, comme ça. Oui, bah ça c'est... Voilà, il voyait aussi qu'est-ce un peu de mal. Donc Animal Crossing, c'est comme un camping. Oui. Au début, tu construis une toile de tente. Donc il était disponible sur DS. Hein. Ça, 3DS, DS aussi. Mais j'ai joué sur DS à Animal Crossing. Je l'ai aussi, mais le jeu, c'est pas... C'est le même, mais c'est différent. Et l'image, c'est différent c'est aussi. C'est ça. Bah, il est plus travaillé, en fait. Voilà. Il est plus travaillé. Plus travaillé. On peut aller dans le magasin acheter. On peut aller dans le magasin vendre. Oui. Donc chez Nook Nook. Voilà. Voilà Animal Crossing. On peut prendre l'avion pour voyager. Oui. Pour aller voir des amis. Et vous et l'argent du jeu, c'est des clochettes. Voilà. Donc voilà. Donc, et dans le dernier Animal Crossing, c'est mieux. Vous êtes sur une île, d'accord, mais ça vous incite à fabriquer tout plein de choses de création, donc tout ce qui est construction, des voilà. Ponts, tout ça, un peu, voilà. Après, vous pouvez construire votre maison, oui. Décorer votre maison à votre style. C'est ça. Il y a beaucoup de choses à expliquer dans le Animal Crossing. Hein. Il y a beaucoup de trucs si à expliquer. Si on vient à lui jouer, je vous montrerai celui de mon copain, ce qu'il a fait. Oui. Parce que j'ai joué aussi sur sa partie. C'est ça. Et bon, j'ai fait ma partie, il y a aussi la partie de ma sœur. Voilà. Et donc, c'est pas mal. Donc, un jeu en familial, hein, assez facile à prendre en main. C'est un jeu chill. Hein. Vous pouvez pas mourir dans le jeu.
C'est un jeu tranquille, vous pouvez chasser, vous pouvez faire des collections de papillons, admettons, vous avez aussi des musées pour visiter un peu, pour visiter un peu, parce que tous les jours ça change en fait. Quand vous êtes dans un magasin, ça change tous les jours l'objet. Voilà. Donc après c'est événementiel. Quand c'est la Saint-Valentin, admettons, c'est un truc pour la Saint-Valentin. Quand c'est Noël, il faut un truc pour Noël. Quand c'est pas. Oui. Voilà, c'est des trucs thématisés. Vous pouvez même nager. Vous avez des équipements pour nager dans l'eau. Voilà. Voilà, vous pouvez attraper des trucs dans l'eau. Des coquillages, admettons. Des poissons. Et même des concours de poissons. Si vous pouvez même participer à des concours de pêche pour savoir qui a pris le plus gros poisson. Et ça vous rapporte beaucoup. Bon, bref. À voir, bien évidemment, en jeu. Prochainement sur la chaîne. Merde, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça. Donc, Animal Crossing. Un jeu typiquement chill. Voilà. Ensuite. Minecraft. Donc, le jeu, bien évidemment, de base. Hein, pour la construction, oui. Bac à sable. Donc Minecraft, vous connaissez sans doute le jeu, bien évidemment, il est super connu le jeu-là, hein, bien évidemment, lui. Hein. On parlait que de ça, et c'est... j'en ai beaucoup parlé, et vu que j'aime bien construire, j'aime bien faire ma maison et tout, bah, j'ai voulu jouer à Minecraft. Et j'ai même les Lego de Minecraft. Bah oui, vous avez différents trucs, différents goodies. Je peux donc... Mais il faut que je continue ma collection de Minecraft. Ah oui, c'est ça. Switch. Donc, explique un peu le prix. Donc, c'est un jeu typiquement avec des pixels. Hein. Donc, des cubes. C'est des cubes. C'est cubélisé, oui. Si on dit ça. Le prix. Il est à 22,49. Voilà. En plus, je pense que c'est celui-là qui est un peu moins cher de tous les jeux qu'on a présentés. Ah bah oui, Minecraft, oui. Hein. Ouais. Voilà. C'est ça. Aussi, pareillement, il y a beaucoup de trucs à dire sur Minecraft. Vous avez des monstres. Oui. Vous avez la nuit comme le jour. En fait, sur Twitch ou sur YouTube, vous trouverez différents modes de jeu. Parce que Minecraft, quand même, il y a différents modes de jeu. C'est comme Roblox, en fait. Tu connais Roblox? Non. Faut que tu connaisses. Il y a des milliards de jeux. C'est une application, il y a des milliards de jeux dessus. C'est des gens faits par les joueurs. Donc, des fois, vous avez le jeu du loup-garou sur Minecraft aussi. Donc, c'est assez cool. J'ai vu ça avec Bob, si vous connaissez Bob ou Fanta ou ainsi de suite, là, les streamers là, et bah eux ils font des loups-garous dans le jeu de temps en temps et c'est bien. Voilà, donc à vous de voir sur Twitch. On peut jouer en survie. Ou sur YouTube aussi. Oui. On peut jouer en survie, en créatif. Oui. Voilà, moi j'ai beaucoup joué en créatif. J'avais peur des monstres. Et là depuis je joue de temps en temps en survie. Mais on peut enlever les monstres aussi. Comme sur Rust. Oui. Rust c'est un jeu de survie. Et là, tu peux jouer en survie, mais tu peux enlever les monstres. Mmh. Voilà. Tu peux tout faire. Voilà. Voilà, puis encore un jeu de construction. Et oui, bah c'est cool. Minecraft, c'est la base. Hop. Si vous voulez vous cacher, vous creusez. Et vous pouvez, en creusant, vous pouvez aller dans des grottes. Vous pouvez trouver des ressources via très rares aussi. Voilà, donc tout ce qui est de Minecraft, on vous expliquera plus en jeu, bien évidemment, prochainement. Hop, alors le prochain sera... Overcook. Et oui, Overcook. Donc le jeu de cuisinier assez répandu sur la Switch, parce que ça c'est attiré par les cheveux, on va dire. Bah, attiré par les cheveux quand vous... Eh, mais je vais pas montrer les bandes-annonces. Hein? Je vais pas montrer les bandes-annonces. Je sais pas. Bah si. Putain, je suis dégoûté, j'ai oublié. Oh, c'est pas grave. Je vais vous montrer les bandes annonces de chaque jeu, mais j'ai totalement zappé, les amis, c'est pas grave. De toute façon, en expliquant, c'est mieux. Donc, Overcook, elle explique, parce que c'est un bon jeu quand même, ça. Oui, c'est un bon jeu. Le 1 et le 2 aussi. Oui, mais moi j'ai acheté que le 1. Quand vous jouez tout seul, c'est impossible. Oui. Quand vous êtes à 2 ou 4 joueurs, c'est plus facile. C'est lequel? C'est celui-là. Celui-là? Il a 10. Il a combien? Il a 10. 10 euros? 10,60€. Allez, les amis, je vous montre directement le... Ouais, bah 10 euros et quelques. Prenez le jeu, il vaut le coup, les amis. Overcook, qui a
Overcooked. C'est gratuit, mais... spécial. Voilà. Moi, ça. J'ai trouvé Overcooked spécial. Il était à 33,05€. Ouais. Ou à 10,62€. Mais il est... Attends. Certes, il est bien à 10,62€. Mais il faut faire attention. Attends, il y a un truc ici. Vas-y, explique. J'avais un truc ici. Faut faire attention ici. Là. Parce que vous avez acheté, mais vous aurez pas la cartouche de jeu. Ah oui, important à savoir ça. C'est... Vous aurez pas la cartouche de jeu, vous aurez juste un code pour télécharger ce jeu. Voilà. Je vous expliquerai sur un autre jeu que j'ai commandé il y a pas longtemps, que je pensais avoir perdu, que j'ai recommandé, et la semaine dernière, je les ai retrouvés par une voisine qui m'a dit que j'avais un colis qui était perdu. Voilà, donc je les ai en deux fois, double. Et voilà, donc ça arrive des fois, les mauvaises. Donc faire attention aux petits trucs carrés. Orange. Orange. Donc, profitez, voilà, faites attention quand même. Quand vous achetez sur internet, il faut lire sur les jaquettes. Allez, je vais vous mettre le lien sur la chaîne, tranquillement. Mais par contre, il est bien. J'en ai 10 000 des, j'en ai 10 000 des liens, quoi. Putain. Et il y en a encore deux. Que je suis en cours. Hein. C'est ça. Hop. Nickel. Prochain jeu, les amis. Donc, il nous reste combien de jeux à faire? 7. Ça va encore 7. Le prochain c'est Carnaval. Et oui, donc fête foraine. Oui. Donc c'est cool, explique parce que ça a l'air intéressant le jeu là. Oui. Bon, on peut faire des tours de fête foraine. On peut faire aussi des mini-jeux. Ah. Genre t'as le machine, le pousse-pièce, tout ça. T'as oui, le... on peut jouer au basket, on peut jouer au hockey ou un truc comme ça. Ça, c'est derrière. C'est ça que je voulais montrer. Donc, vous voyez différents trucs. On voit là ? Oui, on voit. On voit pas très bien, mais focus. Ouais. Ouais. Il y a différents mini-jeux. Hein. Oui. On verrait pas, je crois, des attrape-peluches aussi. Oui, on peut. J'ai pas beaucoup joué à ce jeu parce que, après, quand j'ai travaillé, j'ai arrêté de jouer parce que. Quand on était en 7h, ça allait, mais après on est passé en 10h et c'était plus compliqué. Alors en ce moment, je fais 8h, 17h45, le temps que je prenne ma douche, il est 18h. C'est ça. Par contre, pas ta vie. Voilà. Voilà. Nickel. Là. Il y en a que 3 Comme j'ai dit, il y en a 3. Oui, il y en a pas mal. Mais... Oh, prends celui-là, tiens. Vous prenez le moins cher, bien évidemment, si vous intéresse le plus. Et oui, voilà. Ça, c'est le code. Comme toujours, toujours alors, faire attention. Oui, il y a un code en bas. Vous aurez pas la jaquette, la petite... La cartouche. La cartouche. Dommage, j'ai pas pris la suite avec la cartouche. Ouais. Bah, grave. Et donc, toujours pas le jeu, la carte. Donc voilà, ça dépend des c'est jeux. C'est marqué, donc carte inclus. Voilà, donc c'est acheté différemment, séparément. Voilà. Vous aurez la boîte du jeu. Mais à l'intérieur de la boîte, c'est Captain... vous aurez... C'est Captain Todd, ça. Oui, c'est... C'est pas grave. Elle spoil déjà la suite de l'émission. Vous aurez un code là, mais il faut aller sur Internet, taper le site... Mettons, on va prendre l'écran, attendez. Vas-y, monte encore. Tapez le site qui. Vas-y, explique en même temps. Oui, vous avez le site, vous tapez le site, qui vont vous envoyer un mail avec un code. Vous rentrez le code sur le. Vous avez compris quoi. Voilà. Exactement. Et sur la Switch, vous aurez un autre code. De cette chiffre. De cette dernière. Exactement. Ouais. C'est cool. Vous expliquerez ça sur une autre... Un autre live. Nickel Chrome. Super. Sur un autre jeu. J'ai mis le lien sur la chaîne. Ouais, je pense que... Je l'ai pas pris encore. Pff, c'est hallucinant le nombre de liens, quoi.
Ils ont de quoi faire les gens quand ils regardent le live, hein. Ah ouais. Oh. Elle a pété en live. Grande première, les amis. Ça, c'était un petit, hein. Ouais, pardon. Ça va. Il y a des gens qui... Il y a bien des gens qui rotent en live, alors, tu vois, donc... Ils vont péter, jamais vu. Allez, voilà. C'est parti, les amis. C'est bon, tu t'es remis? Oui. Nickel. Ok. Donc... Je ne m'y attendais pas, celle-là. Non, mais j'ai pas pris un jeu que j'aurais pu expliquer. J'ai peut-être pas pris. Il y a un souci. Ah si, non, non, celui-ci, je l'ai pris, j'avais dit. Voilà. Prochain jeu ? Prochain c'est jeu. Captain Todd. Alors, Captain Todd. Moi aussi, j'ai une histoire à vous raconter par rapport à ça. Vas-y, continue. Après, je dirai après. Ouais. Donc, on peut jouer à deux joueurs. C'est, par exemple, un carré. Ça t'es au-dessus m'étonne. D'un carré. Ça tu vas sur le côté. Oui. Et tu dois aussi rattraper des étoiles. C'est ça. Donc voilà. Voilà, donc c'est géométrique. Oui. Et il est à... Voilà, j'ai des bien. 39,99 euros. Donc voilà, donc 39, la petite péteuse. Je plaisante. Voilà. Voilà, donc 39 et quelques. Nickel. Je vais montrer le lien sur la chaîne. Tu voulais pas expliquer un truc, toi? Ah oui, je voulais montrer un truc aussi. Alors j'ai voulu... donc j'ai acheté le jeu Wii U. Donc sur la Wii U, j'avais le jeu Wii U, que j'ai acheté dans une autre ville. Donc qui n'est pas mon coin du tout. Et j'ai acheté le jeu, mais pas la console. La Wii U. Du coup, je lui ai dit, j'ai acheté le jeu, mais j'ai pas réfléchi quand même. J'avais le jeu, mais pas la console, donc du coup, j'ai le jeu pour rien. J'ai acheté un jeu pour rien. Et moi, j'étais persuadé que je voulais acheter le jeu, donc là, je voulais acheter à la console la Wii U. Mais bon, j'ai pas pu l'acheter. Voilà, donc j'ai acheté le jeu, mais pas la console. Du coup, voilà. C'est ça. C'est la petite parenthèse. Du coup, le jeu, je sais plus où il est en haut dans le grenier. Donc, voilà, donc j'ai pas touché depuis. Du coup, sur la Switch, c'est bien, parce que j'ai quand même joué au jeu que je voulais jouer il y a très longtemps, dans Captain Todd. Oui. Du coup, voilà. Donc Captain Todd, hein, qui est un jeu, en fait, un peu aventure, où vous avez une sorte de vue isométrique, donc une sorte de niveau, en fait, en cube, où vous tournez, et t'as plein d'énigmes, plein de passages secrets dans le jeu. Et bien sûr, il faut le faire. Généralement, quand vous montez des jeux, c'est moi, j'ai la Wii U. C'est la qualité. Elle a la Wii U, donc elle m'a pas dit. Tu m'as dit hein? Tu m'as dit que t'as la Wii U? Pour Noël dernier, j'ai acheté la Wii U pour mon copain. On a acheté un jeu. Ouais. Mais on dit, je joue pas. J'ai acheté le Super Mario Bros. U. C'est ça. Tu veux faire une pause? Ouais. On va faire une pause de 5 minutes, les amis. On revient. À tout de suite.
Les amis, deuxième partie de l'émission. Nickel. On est ensemble encore pendant une heure, même moins. Et oui, ça va faire maintenant une heure, plus d'une heure vingt qu'on est en live. Et oui, ça, format 2 heures, c'est cool. Présenter des jeux en format 2 heures, c'est cool. On est synchro, comme on dit. Du coup, avec Meryl, rebonjour. Rebonjour. Voilà, donc on a présenté plein de jeux, donc plein de liens à l'infini sur la chaîne, sur le chat. Donc voilà, vous avez de quoi faire. Les amis, il ne reste plus beaucoup de jeux, donc on va finir par présenter les quelques jeux qui nous restent. Et oui, dernièrement, les amis, on vous a présenté Captain Toad. Donc voilà. Donc Captain Toad, bien évidemment, on dit le prix pour ceux qui nous rejoignent. Il est à 39,99€. Sur Amazon. Voilà. Donc voilà, donc je vous montre bien évidemment le lien. Vous pouvez le trouver et aimer. Donc voilà. Donc, faire voilà. Attention. C'est ça. Pareil, faire attention, petit point orange. Il n'y est pas. S'il y est ou il n'y est pas. Non, il n'y est pas. Vous avez le jeu directement. Voilà. Allez, on passe à la suite. Nickel Chrome. J'ai mal au ventre. Voilà, hop, c'est parti. Prochain jeu, les amis, c'est le Mario Party. Et c'est le tout premier celui-là, non? C'est le tout premier. Le tout premier. Donc je vais vous mettre, voilà, c'est déjà fait, la jaquette. Donc explique un peu Mario Party. Bah, c'est comme un Monopoly. Un jeu de plateau. Voilà. Mais vous avez des pièges. Vous pouvez avoir des mini-jeux contre d'autres joueurs. Et on peut jouer à 4 joueurs. Mario Party 1, j'ai marqué. C'est celui-là. Voilà Mario Party, les amis. Donc vous pouvez jouer à 1 contre 1, à 2 contre 2, à 4 contre 4, à 2 contre 1. Alors, c'est assez varié. Donc le tout premier, hein, sur la Switch, mais vous c'est sur DS. Le tout premier, c'était sur DS, Mario Party DS. Et oui, donc vous avez pas mal, hein, vous avez 1, le 2, le 3, c'est assez... Il y en a beaucoup, on va pas tous les faire en live, on fera que celui-là. Peut-être que si Meryl achète 2 de Mario Party, mais bon, ça m'étonnerait, parce que je sais ça pas. Ça dépend. Ça dépendra, bien. Voilà. Du coup, on va faire un seul, et ça va être celui-là, donc ça va être cool. Donc voilà, donc, vous avez aussi des boss, hein, mais évidemment, vous avez... des missions avec des boss, vous avez des tours, donc vous avez aussi des pièges à faire, vous avez bien évidemment, vous pouvez voler les yeux des autres personnes. Une cage. Non, pas de cage. Bon, on n'est pas au catch, hein. Un carré où c'est des pièges. Oui. Où il y a des carrés où c'est rouge et vous perdez des pièces. C'est ça. Voilà. Et aussi, vous donnez des pièces à votre partenaire. Attends, est-ce qu'on nous entend? À votre partenaire. Ouais, nickel. Il faut que je regarde, on sait jamais si le son est part. Et... nickel. Donc voilà. Donc voilà, Super Mario Party, bien évidemment, vous voyez des... voilà. Donc, vous avez les champignons empoisonnés, hein. Vous avez le champignon doré. Dans Mario Kart, le champignon doré, ça permet d'aller plus vite. Donc vous spammez sur le bouton et ça fait comme une accélération en continu. Ah ouais. Et moi, à chaque fois que je joue sur des Mario, je prends toujours Mario pour jouer. Tu prends pas genre Peach ou Daisy Mario. Ou un truc comme ça. Okay. C'est Mario. Que Mario. Normal. C'est mon personnage. Voilà, c'est son perso. Comme sur Mario Kart 8, c'est ça? Ou si c'est Mario? Oui. Ok. Voilà, donc aussi beaucoup de trucs à dire sur du Mario Party. Il y a beaucoup de choses à dire, et oui, mais c'est mieux de en jeu. On arrivera mieux à expliquer les jeux sur voilà. Combien. Parce que là, c'est un peu flou, donc on risque de batifoler. On risque de bafouiller. Bah, surtout que ça fait un bail que j'ai plus joué du tout, donc forcément. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Voilà. Donc ça, c'est le trial, c'est ça? Donc le Trials, voilà, donc qui est un jeu de moto. C'est aussi, voilà, c'est un jeu de moto, c'est un jeu de parcours. Donc voilà, c'est parcours. Voilà, je me suis beaucoup énervée sur ces jeux. Un jeu à rage, un jeu très rageux. Voilà. On avait sans doute remarqué qu'on avait fait un live sur Bone Grave Gore, que moi j'ai joué, et j'ai beaucoup ragé sur cet arme. Quand j'ai un parcours que j'arrive pas à faire, c'est mon copain qui le fait. Son copain, c'est sa roue de secours. Voilà. C'est ça. Mais non. Super. Pour voilà. Les jeux. Voilà, pour les jeux, voilà. Voilà, pour donc. Les jeux, quand j'ai besoin de lui, il est là. C'est quoi le nom du jeu, déjà? Trial Reason. Trials, on va marquer Switch. Le blanc. Voilà le blanc, donc Trial. Donc un jeu encore imprononçable. Voilà nos trials, hein, mais non, ouais, qui coûte que... 29,99.
99, donc 30 euros, voilà. Voilà, donc, après, vous avez différents trucs, différents prix, comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà. Je sais pas comment fonctionne Amazon, mais en tout cas, ils veulent faire de l'argent, quoi, bien sûr. Hein. Ouais. Ah. T'as fait trembler tout le PC. Respire. Attendez. On va se mettre. Un bonbon dans la bouche. Respire. C'est un bonbon. Et tu me dis que maintenant. Alors, précise-toi, Meryl. On est en live. Mais quand je passe mon PC, s'il te plaît. On sait jamais. En tout cas, super émission. Hein. Première fois qu'on fait un duo joyeux présentant un jeu Switch. Ouais, en rigolant. En rigolant, c'est ça, voilà. Mais en pétant aussi. Je vous ai mis le lien sur la chaîne, en fait. Oh. Oui, c'est sûr. Nous, ça va de pleurer, s'il te plaît. Allez, prochain jeu. On enchaîne. Donc, il nous reste... Prochain jeu. Vétérinaire, c'est ça? Non. Oui, c'est ça. Donc... Alors, c'est un jeu... Écris-le. Il est trop long, je crois, à écrire. T'as mal, t'as envie de... Vas-y, écris-le. Après, on expliquera le prix, le lien, comme d'habitude. Mais par contre, les amis, je suis vraiment à demeurer. Parce que j'ai pas mis la bande-annonce de chaque jeu. Je suis désolé, les amis, j'ai pas pensé. Pourtant, j'ai marqué sur le Facebook, quand on fera live, quand je mettrai la bande-annonce à chaque fois. Je suis dégoûté. Ça nous... comment dirais-je ? Ça nous enlève des minutes de live, quoi, en fait. Des minutes de live, ah ouais. Voilà. Voilà, j'ai pas pensé. Alors ça, c'est un jeu que j'ai acheté il y a pas longtemps. Oui, c'est récent. Je l'ai reçu. C'est ça. Mais je l'ai recommandé. Parce que je pensais l'avoir perdu. Ou jeté à la poubelle. Voilà, donc comme elle t'a fait pour quel jeu ? Voilà. T'as fait aussi ça pour un deuxième jeu que j'ai oublié le nom. Sur les deux jeux là, Cookie Star et le jeu là. D'accord. Donc c'est la première fois qu'elle commande un jeu qu'elle a pas eu ou que. Bah, je l'avais reçu, je l'ai perdu aux mains. Vas-y, m'a dit que si j'ai perdu quelque chose, je dis non, je pense pas parce que je pensais les avoir mis à la poubelle. Ouais. Mais au final, je les ai retrouvés au match. En gros, je les ai en double. Donc voilà. Du coup, tu l'as donné à ta petite sœur. Je vais lui donner. Elle sera contente. Voir si elle aime bien ou pas. Voilà, c'est ça. Franchement, ça va lui plaire. Ouais. Donc, c'est un jeu de. Décoration des oui. Maisons. Donc voilà, intérieur designer. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent se transformer en décoratrice d'intérieur. C'est ça, hein ? Oui. Ouais, c'est ça. Il y a des images là. Il y a des images, donc voilà. Voilà, ça c'est notre bureau à nous. Donc voilà. Il y a des clients qui vont venir et qui vont nous demander de décorer, par exemple, leur donc bureau. Donc voilà, regarde, c'est comme ça le jeu. C'est comme ça. Nickel. Voilà. Donc voilà, c'est comme des Sims en fait, un jeu de Sims. C'est comme les Sims, oui. Pour saccager. Voilà. On va décorer leur maison. En décorant la maison, voilà, c'est ça. Donc je vous mets le lien sur la chaîne, les amis. Le prix, il est à 25. Je le retrouve. Il reste combien de jeux à présenter ? Il y a 25,07. 25,07. Donc pareil, hein, et toujours à faire attention qu'il n'y a pas le petit point où c'est marqué non carte. Il est sans doute en dessous là. Il n'y est pas celui-là. Non, il n'y est pas. J'ai eu la carte. Il n'y est pas. Voilà. Tiens. Mais... Ils vous disent hein, si vous avez la perte ou pas la carte. Là, on a toujours la carte. Voilà. Nickel. Donc voilà, je vous montre quand même l'image. Donc vous l'avez. Chaque jeu que vous achetez en fait sur ce jeu uniquement, et là vous n'avez pas la carte. Vous avez la carte. Voilà. Donc, sinon, un petit message à écrire au cas où si vous n'avez pas la carte. Donc vous avez un message en bas. Ne vous en faites pas s'il n'est pas là, c'est normal.
Je vous montrerai une boîte de toute façon. Oui. Dans pas longtemps. J'ai jamais fait un temps de transition de ma vie. Et puis voilà. Voilà. Nickel Chrome. Allez, c'est parti. Il nous reste deux jeux, je crois. Non ? Oui, deux jeux. Deux jeux. Hop. Ah. Ouais, encore un jeu de ferme. Encore un jeu de ferme. C'est vraiment. C'est vraiment le coup de cœur de Meryl, un jeu de ferme. Donc voilà. Meryl a fou rire. J'aime le jeu de ferme. C'est un jeu de détente, c'est pas un jeu qui va me faire chier. Voilà. Pas comme sur Rust. Rust est encore calme, ça va. Rust, ça va. Ouais. Au début, c'est compliqué. C'est quoi le titre ? C'est. Grain Adventure. Aventure. Voilà. Voilà, il est à 26,33. Donc voilà, donc des jeux super abordables. Hein. Enfin, si vous voulez faire plaisir à vos amis, à vos proches, à vos petites sœurs, aux petits frères, à vos cousins, ça vaut le coup. Voilà, donc nickel. Voilà, pareil, toujours faire attention qu'il y a toujours la jaquette. Alors je vous montre, il n'y a pas. Donc vous avez la jaquette la cartouche directement dans la jaquette. Voilà. Nickel. Donc, le prix c'est... Le prix, bah, il est à 26,33. Donc 26,33€. Donc explique après ce qu'il faut faire dans le jeu. C'est un jeu comme sur My Chef Farm 2, hein, pareil. Oui. Ou sur Ma Vie à la Ferme, hein, tout à fait pareil. Oui. Donc le principe est la même chose, vous récoltez des fruits, des légumes, tout ça, vous faites des plantations. Voilà. Débloquer ainsi des nouvelles fonctionnalités dans le jeu, comme sur les jeux Android, tout simplement. Nickel. Et puis voilà. Et puis voilà, donc dernier jeu les amis, et après on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça serait un petit le jeu... Hop. Voilà. Ben, le jeu là, ben, je l'ai pas. Encore. Je l'ai en cours pour l'acheter. J'en ai deux, hein, des jeux. Oui. Merde, qu'est-ce que c'est ? Hop. Voilà. Voilà. Merde alors. Qu'est-ce que j'ai fait ? Attends, j'ai fait une connerie. Quoi ? Attendez, c'est une page. Je remets Amazon, d'accord. Je remets Amazon. Heureusement qu'ils ont rien vu, hein. Hein non. C'est quoi le jeu ? C'est... Man, baby, chien. Ok. Attends, je vais regarder. Hop, mine. Après, le jeu-là, je l'ai pas encore acheté. Ouais, bon, t'inquiète. Je l'ai dans mon panier. J'ai l'intention de l'acheter, mais j'attends que... Bon, là, il passe. Exactement, voilà, c'est... Et puis lequel... voilà. C'est lequel ? J'ai aussi celui-là acheté. J'ai celui-là acheté. Yes. Tu vois sur le jeu ? Attends, monte. C'est lui. Celui-là. Ok, c'est celui-là. Nickel, donc voilà, donc on va directement voilà, aux cartouches, à la grosse cartouche, le gros livret, le gros jeu, tu sais, avec la jaquette entièrement. Donc voilà, vous avez la jaquette, mais vous avez aussi la cartouche, je montre le jeu directement. Donc voilà, donc là, un petit jeu de vétérinaire, on va dire ça, c'est oui. Ça, de chien et chat. Comme sur DS, vous avez sur Nintendo Dogs, un jeu de simulation de chien, où vous êtes sur un chenil, vous devez acheter des chiens, tout ça, vous pouvez jouer avec, vous pouvez le promener, tout ça. Ça, c'est le même principe, je crois. Donc, super, super jeu, vous êtes amoureux. Si vous êtes amoureux des animaux, tout ça, les jeux comme ça, et ben ça vaut le coup. Si vous aimez bien les bêtes. Voilà. Donc le prix Meryl. Il a 26,94€. Donc voilà, donc un jeu. Merde. Un jeu que j'ai mis dans mon panier c'est et ça. Que j'achèterai peut-être plus tard. Donc voilà, nickel chrome. Hop. Puis j'ai encore un jeu à présenter. Encore un jeu à présenter que j'ai pas mis sur la chaîne. Que j'ai pas mis sur la jaquette. Du coup on vous présentera le dernier jeu. Et après, ça sera bon pour aujourd'hui. Ça, c'est quoi le jeu ? C'est Cookie Star Restaurant. Cooking ? Oui, Cookie Star Restaurant. On est sur PS4 aussi. C'est celui-là. Alors, j'explique un peu aussi le jeu, les amis. J'ai joué sur le Cloud Gaming. Donc c'est sur Blacknut, qui est un abonnement en ligne sur Google Chrome. Vous l'avez gratuit avec l'abonnement.
Et donc voilà, donc c'est vrai que j'ai pu jouer à ce jeu. Bon, je crois que j'étais à la fin du jeu, j'avais presque fini le jeu. Du coup, voilà, et du Voilà, coup. sauf que moi j'ai fait une connerie, au lieu d'acheter ce truc-là, j'ai acheté celui-là. Voilà. Vas-y. J'ai acheté celui-là sans faire exprès. Voilà. C'est quoi la différence, celui-là? Celui-là, c'est que t'as pas la jaquette. Ah, t'as pas la jaquette en dessous? Voilà. Ah, c'est ça, voilà. Donc vous l'avez sans trop remarquer. C'est marqué en français, ne contient pas la carte de jeu. Voilà. Je n'y ai pas fait attention. Voilà. Et pourquoi ils mettent pas la jaquette des fois dans le jeu? Pourquoi ils mettent pas la cartouche dans les certains jeux? C'est là? Parce que je sais pas, ça je sais pas. Mais vous recevrez un jeu avec un code où ça sera marqué scannez ou connectez-vous sur Voir. W. Oh, je vais vous montrer. J'en profite pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, vous avez cette petite fascicule. Enfin, je sais pas si c'est pas un fascicule, mais un petit truc pour vous dire que il faut le Se télécharger. connecter, voilà, Voilà, le le télécharger. télécharger. Vous voyez à l'envers, vous, c'est ça? Donc voilà, donc il y a un QR code, un code à rentrer. Voilà. Voilà. Ok, nickel. Mais là, il est à 14,99. J'ai pas fait attention à ça parce qu'il y en a plusieurs, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est avec la Donc faites jaquette. attention, c'est un avertissement que je vous donne, hein, les amis. Regardez avant d'acheter. Attends, j'ai pas Voilà. mis la jaquette. Donc, Hop. pour le télécharger, Voilà. je me suis énervé dessus, gueulé, machin. Et mon copain qui me dit, qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'arrive pas, c'est quoi ce truc de merde et machin? Je vais le foutre par la fenêtre, la poubelle. C'est ça, la Voilà. rage avant tout. C'est ça. Et donc Donc, après. je mettrai le lien sur la Donc. chaîne. Et ça sera le dernier lien que vous mettrez sur la chaîne, amis. Après, à vous de voir. Tais-toi, Nounours, s'il te plaît. C'est le dernier lien. Et après, bah, faites ce que vous avez à faire avec les jeux que je vous ai présentés, que vous a présentés aujourd'hui. Et en plus, c'est un long, celui-là. Voilà. Allez, on va se dire au revoir correctement. Ah, vas-y, Mary, c'était un dernier truc à nous dire par Et rapport à. donc c'est mon copain qui m'a aidé à télécharger sur Switch. Voilà, donc. C'est le fait d'avoir un ami à la maison, un copain. Voilà. Allez, bah merci Meryl. Voilà. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Meryl, ça avait personne sur le chat, mais c'est pas grave. Parce que j'ai plus de vues, on va dire, sur Twitch que sur YouTube, on va dire. Voilà, donc les gens risqueront de regarder en rediff sur Twitch après le live. Voilà. Merci beaucoup Meryl d'avoir été là. Rien. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour les jeux présentés. Donc il y en avait au moins 26, c'est ça, 27? Oui, 26, Sur les 27. cousines là, voilà. Donc on n'a pas eu de jeu, on n'a pas joué aujourd'hui, on a juste expliqué présentation des jeux Switch. Sur ce, les amis, portez-vous bien. Demain, on fera du Persona 5 Royal suivi de Chivalry 2 à compter de 15h. Portez-vous bien, passez un excellent début de semaine à tous et on se dit à demain 15h sur Twitch. Je vous le monde.